Bonjour les gens. Alors attendez, on va juste baisser le son parce que tu vas calmer ta race le jeu, mais genre vraiment. Bonjour. Je sais même plus comment on fait, mais qu'est-ce qu'on fait à cette étape-là d'une vidéo? Bonjour, c'est Kira les gens. On se retrouve donc pour une toute nouvelle série de vidéos, ou pas d'ailleurs, hein, parce que à force, on sait même plus quand est-ce que je reviens, quand est-ce que je pars. Ce récipe Containment Breach Unity, et non pas l'originel, qui était certes très complet en matière de contenu, mais qui pour le coup a un petit peu mal vieilli. On se retrouve pour ce petit jeu. Et ouais, alors du coup les gens, ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai déjà fait plusieurs vidéos, en fait j'en ai fait deux, pour ainsi dire. Une sur ce jeu-là et une sur Solitica Below Zero, parce que j'ai donc pour projet de couvrir ces deux jeux qui ne sont pas encore très faits, on va dire, sur le français. Pour vous partager donc non seulement des vidéos, mais également revenir un petit peu là-dessus. Et ce qui s'est passé, c'est que mon logiciel OBS, mon très cher, a enregistré ces deux vidéos-là dans un format que Sony Vegas, malgré le pognon monstrueux que coûte ce logiciel, n'a pas été capable d'enregistrer. Enfin, n'a pas été capable de lire. Donc on va devoir commencer une nouvelle partie. Et on y va. Alors je vais commencer une partie sans le lore. Je pense en fait faire une partie avec le lore plus tard. Mais là c'est vraiment juste une petite vidéo histoire de pouvoir déjà vous parler sur vous tenir au courant de qu'est-ce qui avait pu se passer dans l'aile de merde. Pourquoi est-ce que je n'ai pas uploadé depuis plusieurs mois, même un an je pense en fait. Hein, maintenant ça fait un an. Et pourquoi mes lives, parce que je fais aussi des lives, n'ont pas continué également. Parce que pour ceux qui ont peut-être été là par rapport à mes lives, la dernière fois que j'ai livé, c'était en septembre et j'avais dit je reviens dans une semaine. Il me semble que c'était ce qui s'était passé. Sachez que, entre temps, je ne suis pas encore rentré chez moi à Marseille. Je suis actuellement installé sur Strasbourg. Mais ça, c'est une toute autre histoire que je pourrais peut-être vous conter en live. En tout cas, sachez que maintenant, je suis revenu. J'irai beaucoup vous recommencer à faire du contenu, surtout avec SCP et Subnautica qui sont en pleine expansion en ce moment. Et donc, du coup, ça me ferait très plaisir de faire ça. Donc, on va pouvoir se lancer. Alors, ce jeu-là, j'ai joué genre vraiment 20 minutes dans la vidéo précédente. Donc, je vais être dans une découverte encore relativement complète. Donc, pour ceux qui connaissent pas le lore de SCP, nous jouons en fait un classe D, c'est-à-dire un condamné à mort suite à un crime, généralement. Qui donc, du coup, est dans une organisation où il est littéralement, en fait, c'est de la chair à canon, en fait. Hein, c'est littéralement, ils sont susceptibles de subir des tests. Alors le plus bizarre dans tout ça, et le plus terrifiant dans ce jeu, c'est quand même le fait que... Fermez-la. Ah mais... C'est quand même le fait que cette soupe soit chaude alors qu'il n'y a aucun micro-ondes aux alentours. Sauf que c'est quoi, c'est de la soupe, mais ça a l'air dégueu. Ça vous donne envie de manger ça? Merde. Pas bon en tout cas. Please don't touch. Ok, ben je ne vais pas le faire. Je vais respecter la volonté de cette personne. Ok, on a des boules de papier, des machins. Bon, on va pouvoir se lancer. Donc là, pour ceux qui voulaient pas SCP, c'est effectivement un jeu d'horreur. Où en fait, on est vraiment basé sur le sur la fuite. En quelque sorte, c'est vraiment un jeu où en fait, si vous cherchez un jeu où quand le monstre arrive, on sort un Gatling et on lui tire dessus, c'est pas votre jeu, hein. Ok, donc on a le SCP. C'est le combien, là, qui s'est échappé? C'est lui, je crois. Ouais, c'est 173. Je crois que c'est 173, généralement, c'est ça l'histoire. Voilà. Donc voilà, ce SCP-là s'échappe, qui est donc un SCP qui est dans le concept d'un ange pleureur. Et il est juste là. Alors je crois qu'en fait, on a un stade du jeu où la programmation, il ne peut pas encore ouvrir les portes. Non mais s'il reste là, on va pas pouvoir avancer en fait. Merde! S'il reste là, on va pas pouvoir avancer en fait. Mais genre pas du tout. Bon, on va utiliser une technique.
On va essayer de le faire avancer parce que là il va pas bouger en fait. Hein. Ouais. Ouh! Je m'y attendais pas. Bien joué mon chou, je ne m'y attendais pas. Est-ce que tu peux venir jusqu'à moi là? Non, tu peux pas. Foiré quoi. Mais ouais, tu peux pas ouvrir les portes en fait. C'est ça? Et non, tu peux pas. Ha! Te voilà bien baisé! Ah, il est juste là. Ce serait bien si on pouvait essayer de le faire rentrer dans sa cellule. Mais il veut pas venir. Bon. Je ne sais pas comment on va pouvoir se débrouiller. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi près de moi en fait. Je savais pas qu'il pouvait courir aussi longue distance. Attends, parce que là la porte est tout fermée en bas. C'est bon, il bouge pas. Ouais, c'est bon. En fait, je suis niqué, je crois. En fait, je vais devoir me suicider. Parce qu'en fait, je suis totalement baisé. Je peux pas le contourner. Mais genre, je peux vraiment rien faire. C'est bon. Oh bah c'est bon. Il ne devrait plus nous emmerder. Ok. Bon, c'est bon les gens. On est vivants, tout va bien. Dans le milieu du monde. Sinon, je suis en train de raconter quoi moi? Oui, donc c'est un espèce d'ange pleureur. Et comme vous voyez, donc en clignant des yeux, il s'approche et il tue les gens en leur brisant la nuque. C'est des gentils, hein. Alors, on va activer ça. Et donc le but du jeu en fait c'est de s'échapper, mais en fait là pour l'instant le jeu est encore en Early Access, mais pas Early Access, hein, c'est un jeu qui est gratuit encore à ce jour. C'est un jeu qui est vraiment juste encore en développement, pour l'instant il est totalement gratuit, il est fait par des indépendants, par un petit studio. Et il s'annonce prometteur. On va s'étirer un petit peu. Ok. Bon. C'est pas de là d'où je viens, rassurez-moi. Non. Remarquez, alors c'est très con, hein, mais étant donné que j'ai déjà fermé par ici, genre que j'ai déjà fermé ici, je pourrais au moins garder ça en tant que repère, non peut-être. Ouais, non, je me dis juste en face du truc, j'y vais pas. Ok. Alors, la technique, c'est de fermer derrière soi. Ok. Ça c'est un problème ça. Ça c'est un gros problème ça. J'ai pas temps de parler. Ils sont beaucoup plus vénères que la première fois que je joue au jeu. Hein. Je sais pas si c'est genre le jeu qui voit quand est-ce qu'on a lancé le jeu en premier, mais ils sont beaucoup plus vénères. Compris à quoi servaient ces caméras. Je vais pour l'instant assumer qu'elles ne feront strictement rien parce que je suis souvent passé devant en fait, hein, mais ça a rarement fait quoi que ce soit. Je sais pas, je présume que c'est un SCP qui doit les utiliser quand il pop. Fondation SCP Arctic. Ah non, ArcSite, juste le ArcSite, d'accord. Pourtant, ça a l'air d'être un endroit enneigé, de ce que j'ai pu voir précédemment. Alors, je suis très concentré, hein, donc effectivement, je me suis dit putain, je vais prendre ce jeu pour parler un peu, expliquer ce qui s'est passé. C'était pas la meilleure idée du monde.
Ok, je suis actuellement en territoire inconnu. Tant que les bonbons, c'est quelque chose qu'il faut pas manger. C'est en... Regardez, vous voyez, ça fait strictement rien en fait, ça s'en bat les couilles quoi. Oh merde. Je suis niqué. Peut-être pas. Ouh. Mais quel enfoiré! Va te faire foutre! Va te faire foutre! Non! Aïe! Je refuse. Non, là, ça suffit, monsieur. Arrêtez. Je n'apprécie pas ces avances. Oh putain. Il lâche pas la grappe, hein. Bonjour. SCP-500. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. J'ai pas envie de le consommer. Parce que je ne sais pas ce que c'est. Ok, ça me rend plus résistant. C'est une bague qui me ralentit mais qui me rend beaucoup plus résistant. Ça, je crois que c'est le canard à rayon X. Ouais, bingo. Ok, cool. Cool. Il y a plus que je puisse faire. Va falloir que je revienne en arrière. Ouf. Bah non du coup en fait. Mais du coup non, hein. Ok, on se met d'accord là-dessus, hein. Du coup non. Bah ouais non, non. Dépêche-toi, ferme la porte. Oh! Ah merde, j'ai pas encore dit ce que c'était. SCP-650, c'est lequel celui-là? Ah! C'est toi. Bon, ben ça va, écoutez, ça va aller. Okay. Tu regardes la porte? Tu as des petites envies d'escapade? Salut. C'est tout ce qu'il fait. Il y a juste derrière moi des moments random. Mais écoute, si ça peut t'amuser, hein, si. Il est où? Il est où? Alors, j'aime pas du tout ça. Ça veut dire qu'il est peut-être juste derrière la porte, genre. Et ça, ben moi, ça me. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout l'idée qu'il puisse être juste derrière la porte. Il n'y a rien. Ouais, c'est tout ce qu'il fait vraiment en fait. C'est ça. Bon, écoute, si. T'as fini. Hein? Ah! Mais... Ok, bon, c'est rigolo. Ok, c'était ce bruit là. Ok, ça c'était terrifiant quoi. Le bruit de la porte qui se fait genre 3 secondes après. Ça a suffi à me foutre les chocottes quoi. Ça c'est CP. 1499. C'est lequel celui-là? C'est quoi le truc? Ah, c'est le masque à gaz! Warehouse à ski cord. Ah merde, il faut la carte. Shit. Et ça c'est vachement bien, ça permet d'avoir beaucoup plus de stamina quand je cours, je crois. Après, je sais qu'il y a deux masques à gaz, il y en a un qui va m'avoir plus de stamina, il y en a un qui me fait voyager dans une dimension parallèle là. J'ose espérer que c'est celui qui me fait courir beaucoup plus longtemps. Que d'aventure! Eh, hey, je t'ai vu popper, ça par contre c'est petit. Hein. Je t'ai vu popper, espèce de petit bâtard.
Il va falloir que je te contourne encore. Ah! Ça, par contre, c'est pas cool ça. Ça veut dire qu'il va falloir que je retourne en arrière à un moment donné. Parce qu'il me semble que ça, c'est sans issue. Elle a bu? Merde. Je pensais qu'elle avait l'infini. Vas-y, fais péter. Rien que je dois récupérer par là-bas. J'en ai pas l'impression. Aïe, 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 aïe. Aïe. Ils vont buter. Ça suffit. Bon, rien que je puisse récupérer. C'était des papillons, hein, pour ceux qui se demandaient. C'était des papillons avec des ailes très 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 tranchantes. Ok. Sois pas là, s'il te plaît. Ok. Ok. Où ça? Où ça? Non! Vas-y, viens, 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 viens. Bon, j'irais bien... Ah oui, la musique. C'est la salle avec la petite musique, j'ai oublié. Alors ça, c'est les lunettes 3D. Oui, donc ça, ça me donne, ça, ça me fait voir des choses. Donc je vais éviter de les prendre. Oh. Ok. Safe. C'est du coca, quoi. Alors, c'est le 78, on l'a. Ouais. Alors, 78. J'ai pas du tout cette musique en fait. C'est pas du tout rassurant. 1079. C'est des bonbons les 1079 il me semble. Putain, il respawn au même endroit. Merde. Close. Close non. Oh non. Mais je voulais pas me battre, je suis un pacifiste. Aïe. Ça suffit monsieur, j'ai pas envie de bagarrer avec vous. Ferme la porte. Ferme la porte ta mère. Oh, y a mon copain qui est revenu, tiens. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Ok. Du coup on va recommencer depuis le début. Génial. Bon, c'est pas grave. C'était rigolo. On en a combien de temps d'enregistrement? Je vais essayer de vous faire bon, 20 minutes. On va, je pense que je vais partir pour encore 20 minutes, que je se couper en deux. Donc il y a des chances que cette vidéo là se coupe genre dans 3, 2, 1. Maintenant.